Le parc Gezi, de nouveau au cœur d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Istanbul. La police turque a fait usage de gaz lacrymogène, de canons à eau et de billes de paintball ce lundi en fin de journée pour disperser des centaines de protestataires venus célébrer leur reconquête du parc à l'appel du collectif Solidarité Taksim. Le parc Gezi, bastion de la fronde anti-gouvernementale de juin, était interdit au public depuis l'éviction manu militari des manifestants le 15 juin dernier. Rouvert quelques heures plus tôt, il a de nouveau été fermé temporairement fin d'après-midi pour empêcher les protestataires d'y élire domicile. La semaine dernière, la justice turque a donné raison aux manifestants en interdisant la construction d'un centre commercial en lieu et place du parc. Les autorités peuvent toujours faire appel. Plusieurs personnes ont été blessées lors de l'intervention de la police, dont une grièvement. De sources officielles, 37 ont été interpellées.